C'est parti. Le Jura qui arrive là du... Bah du Jura, forcément. Il y a du monde. voitures à peu près qui viennent d'arriver. Ça fait du people sur le parking quand même. Truc de ouf. On devait se réunir, mais hier, je vais aller me mélanger un peu à la foule. Il y a encore du monde là qui arrive. Bonjour Didier. Salut. Ça va? Tu me reconnais pas, Vanessa? Ah, ça y est, alors. Oui, ah oui, Vanessa. Il y a du monde, ça fait trop plaisir. C'est trop cool. Salut. J'en ai la chair de poule partout. C'est bon ça. Tiens, fais un coucou pour le reporter indépendant. On est là. Vive la France, vive la liberté. Didier, un gilet jaune de la première heure du côté de Dole, si je dis pas de bêtises. Très gentil, monsieur. C'est énorme, tout le monde filme tellement on est comme nous. Bah oui. Vive la France, vive la liberté. Ouais. Le peuple, mon peuple. Par le peuple. Et en même temps, oui, ça met une tactique chaleureuse. Coucou, ma sœurette, je te fais des bisous. Ben oui, ça va. Et voilà. Il y a quoi là? Il y a le Jura, il y a quoi encore qui arrive en même temps là? Le Jura, il n'y a pas le Sud parce qu'ils ont une heure de retard apparemment. Ouais. Ils ont été bloqués à Lyon. D'accord. Enfin, celui de Lyon. Et voilà, non plus. Ok. Ouais. Donc voilà, puis bah, t'as l'Espagne et le Portugal qui arrivent demain, quoi. Parfait. Génial. Il manque les casquettes pour le Tour de France. Ça fonctionne pas. On n'a pas les casquettes. Hein. La caravane, elle est où? Regardez les enfants, les beaux dessins. On est tous là. On refera le convoi ensemble. Voilà, ça va arrêter la table de descente. Énorme. C'est juste énorme. Je sais pas si on va pas le garder chez nous, le soleil, pour une fois qu'il est là. Hein? Les Parisiens, vous vous débrouillez. Elle est où, la coco? Hein? La coco, elle est où? Je sais pas. Bah, elle était devant nous. Il y a du monde quoi, ça fait plaisir. Franchement, ça fait trop plaisir de voir ça. N'hésitez pas à partager s'il vous plaît pour le reporter indépendant. C'est mon premier live. Ah, c'est énorme. Bon bah justement mon frérot, on peut garder le soleil hein.
Ah, c'est Fred. J'avais pas reconnu. Ça fait chaud au cœur. Merci, merci, merci. Oh ma Vanesse. Oh c'est bon. On va retrouver notre France. Ça y est. Ah putain. Ça va? C'est bon. Mais oui. C'est que le début en plus, c'est tout. C'est parti. Il faut hein. Donc il y a déjà une partie du sud qui est ici alors. Génial. Ouais, une autre partie. D'accord. Ça arrive ouais. Hein. Génial. Ça va ma Vanesse? Pas grave. Je sais même pas quoi dire. Ça y est, on y est. Je sais pas si vous voyez là-bas. Attends. C'est qu'il est. Il y a un hélicoptère par là, là. On est surveillés, les gars. C'est parti. Je vais remonter un peu là-haut. Voir ce qui s'y passe. Pardon. Merci. Essayer de retrouver des têtes que je connais aussi, tant qu'à faire. Pardon. Oups. Il y a du mouvement de ouf. C'est un truc de dingue. Ça arrête pas d'arriver là, les voitures, les camions. Ça va? Ça va. Bien, et
toi. Tiens, dis un petit bonjour aux reporters indépendants. Bonjour à tous les ennemis de la liberté, nos enfants, nos petits-enfants, rappelez-vous de ça. Voilà. C'est un petit papy que j'ai connu sur le rond-point des Gilets jaunes. Quand j'étais à Lons-le-Saunier. Tiens, là, on le voit bien, l'hélico, attends. Donc je le retrouve. Oui, laisse t'enculer. Ouh, pardon, excusez-moi, je dis plus rien. Pas de gros mots. 1,69€, merde. Et ça arrive encore, quoi. N'hésitez pas à partager la vidéo, s'il vous plaît. Faites-nous voir, c'est le reporter indépendant. On essaye d'être au plus près de ce qu'il peut y avoir. Et là, il y a du monde de ouf, quoi. Ah, la mamie. Ah oui, ils sont là, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, le monsieur avec le mégaphone, là, c'est une des grosses têtes de Besançon. Il s'est retrouvé au tribunal maintes et maintes fois. Et il embête le monde parce qu'il est très pacifiste. Mais il ferme pas sa bouche et moi, je le kiffe grave, ce gars. Il est génial. C'est tes enfants ? Elle me rappelle de lui. Il en tremble tellement il est ému, il est là. C'est bien. La jeunesse, la prochaine génération, elle est là. Oh là là, j'ai la chair de poule de ouf. Ben, ça fait plaisir, ben, on arrive à choper Fred. Coucou à la gendarmerie. Ils ont vu l'hélicoptère au-dessus de leur tête, ils leur font signe. Ils aiment bien. On est très polis en Bourgogne-Franche-Comté, on fait coucou à la gendarmerie. Le vert, c'est là-bas. De la police.
vu. Mais ils doivent être là. Ils sont en Clio blanche. À moins qu'ils soient allés acheter à manger. Tu l'as vu, Coco? J'allais pas acheter à manger parce que le ravitaillement il est là. Il y a ah bah voilà, d'accord. Génial. Bah puis nous, nos voitures, pareil, les gens nous ont déjà donné dans le jus et tout. Parce que là, c'est des sandwichs qui sont faits, il faut les manger là. Ah bah oui, ouais. Ah bah on va le dire aux gens. Ouais. Merci. Coco, elle est avec Cédric. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit, Tom. Ils nous ont doublés. Ils sont partis comme des balles devant nous. Bah, j'espère qu'ils ne se sont pas fait contrôler. Non, mais non, parce qu'on nous connaît justement. Il est passé devant nous parce qu'il connaissait. Mais... D'accord. Chenauve, on est à Chenauve, 21 300. Géant Casino, Chenauve. Soit combien à peu près là? Soit combien à peu près le sud-est? Ah, je sais pas du tout. Ah non. Je croyais que tu parlais sur les ailes. Non, je peux pas là, c'est pas possible. Non, mais ils sont pas loin. C'est, et comme je suis en direct, je peux pas couper pour regarder. Tu veux essayer de les appeler avec mon téléphone? Non, parce que non, mais ce serait bien qu'on sache. C'est l'application. Oui, je sais, je connais, je suis dessus. Ah ouais, mais alors c'est chez dessus. Mais non, mais en fait, là, je suis en live avec mes potes du reporter, et puis là, je suis en live avec le reporter, pareil, en fait. Moi aussi, je suis en live. Mais je vais les appeler, mais tout à l'heure, c'était 15, 20 minutes. Non, tout à l'heure, c'était une demi-heure. Donc là, ça doit être. À peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et ça, c'est le sud-ouest qui doit arriver, c'est ça? Ouais. D'accord. Il avait une heure de retard par rapport à nous. En fait, le sud-ouest, il doit arriver d'ici, je dirais, 30 minutes max. Ouais, voilà, c'est ça ce que je viens de dire. Parce qu'ils ont pris l'autoroute à bout, je crois, pour nous rattraper, en fait. Alors, donc, je pense... C'est ça. Je pense mais hier, c'est pareil, quand on est arrivé à Lyon, c'était pratiquement... T'étais dans le convoi de Lyon? Oui, mais moi... C'est un truc de ouf. J'étais comme une dingue derrière le téléphone. C'est ça. Mais tout le long, on était obligé de s'arrêter, les gens. Mais tout le long du parcours, quoi. On voyait cette bienveillance, cet éclat dans leurs yeux et tout. Et là, quand je suis là, c'était fou. On se recrute au Tour de France, mais avec... Et ça te prenait aux tripes. Tu sais, ils avaient des yeux brillants, étincelants. Non, mais nous, on était en train de faire la modération derrière les lives différents qu'il y avait sur le parcours de Lyon. On était comme ça derrière les téléphones. On se dit, putain, on va y aller. C'était un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou, c'est ça. Et là, quand je suis arrivé là tout à l'heure, alors là, j'ai été pris carrément. Là, ça m'a pris aux tripes. Alors, la fatigue au début, tu sais, la fatigue. Mais c'est plutôt l'émotion qui m'a gagné. De voir cette solidarité. Ça fait du bien de retrouver ça. Ah ouais, cette fraternité, l'allié. Là. Ouais. Là, ça, c'est de la pure fraternité. On l'a. C'est du pur bonheur aussi. Voilà. Donc, non, très content là, de mon arrivée à Dijon. Je pensais que je ne m'attendais pas à ça. Ah ouais, J'ai vu tous ces messages dans les sacs. Ils ont préparé des petits sacs de nourriture. Ouais. Il y avait un message d'enfants, des dessins d'enfants. Oui. Ça prend au trip aussi, ça. Ça a été. Mais juste d'en parler dans mon live quand j'ai commencé, j'y arrivais même pas. Ouais. J'arrivais même pas à en parler dans mon live. Tout à l'heure, j'ai pris des enfants en photo. Ils sont en train de défaire les sacs de jus d'orange et tout pour mettre en place pour pouvoir distribuer à tout le monde. C'est juste énorme là. Énorme. Voilà. Ça fait du bien de vivre ça un petit coup. Oui, ça donne un regard d'énergie. Quoi. Ah ouais, j'étais épuisé. Et quand je suis arrivé là, ça m'a reboosté. Ouais, ça fait. Ouais. On va voir ce soir comment ça va se passer sur Paris. Et puis écoute, on verra bien ce soir, parce que l'Allemagne il disait qu'ils allaient que faire voilà, qu'ils ne voulaient pas qu'on passe. Donc ce matin je suis intervenu sur Sud Radio en direct. Ouais. Et moi je trouve que il faut qu'on continue. Ils ont peur. Et donc ils essayent de nous mettre la pression. C'est comment ton nom, s'il te plaît? Roland, mon nom c'est Gontard. Roland Gontard. Gontard, pardon, voilà. Excuse-moi. Roland Gontard. Voilà. Il y a quelqu'un qui entend ce qu'il dit. Ah, il était sur Sud Radio, faut que j'aille chercher la vidéo. Oui, elle est sur Twitter. Voilà. Et puis je l'ai partagé sur ma page de toute façon. Et sur ta page, c'est Roland Gontard aussi? Ouais, c'est avec deux L, Roland Gontard, mais tu vois mon visage. Ouais. Voilà. Je peux. Mais oui. Tiens les gars, Roland Gontard avec deux L et son truc, sa vidéo sur Radio Sud, elle est sur son mur si vous voulez la trouver. Voilà. Et sur Union Gilets Jaunes 84, là c'est les lives qui ont été partagés depuis Avignon. D'accord. Voilà, si vous voulez en partager, voir un petit ouais. peu, là on y est dessus. Sur Union comment tu m'as dit? Union Gilets Jaunes 84. Union Gilets Jaunes 84, ok d'accord. Voilà. C'est parfait. Donc, tout ça. Voilà, c'est des grosses pages. C'est bien? Ouais, c'est les pages du sud de ça. Faut qu'on se fasse voir un petit peu. Bah écoute, exactement, je te remercie. Partager tout ça, là. On je te laisse faire un petit coucou au reporter indépendant.
report dernier pendant, magnifique. Voilà. Qui sont d'où les reports dernier? On est partout. Partout. Moi, je suis Dijon, il y en a à Rennes, il y en a à Paris, il y en a dans l'Oise. J'ai déjà entendu parler, ouais. J'ai déjà vu des vidéos. Eh bien, n'hésite pas à aller t'abonner à la page, à partager les vidéos, puis ben, nous, on fera pareil de notre côté. Également, oui, de toute façon, c'est le nerf de la guerre, hein. Ouais, ouais. Parce qu'on ne va pas être aidé par les chaînes mainstream, hein, donc... Non, je crois pas. Non, parce que là, c'est dommage qu'ils ne soient pas là en direct aussi pour accueillir cet événement. Parce que c'est un événement de fou, quoi. Ouais, ouais, ouais. La France qui est en train de monter sur Paris, ça va être des dizaines de milliers de véhicules. C'est magnifique. C'est un truc de fou. Voilà. Moi, je ne m'attendais pas à ça, vraiment. Ah, mais là, tu vas voir le convoi qui va arriver là, du sud-est, il est costaud aussi. Ben écoute, c'est bien. Il est costaud. Et puis alors après, on va voir tous les autres convois qui vont arriver de toute la France. Là, ça va être de la bombe. Ça va être de la bombe. J'ai hâte, j'ai hâte. Ben écoute, aussi. En tout cas, merci beaucoup. À plus tard. Bon, ben voilà, d'ici en gros une demi-heure, le convoi du sud-ouest, il devrait arriver. Et de ce que j'ai compris, c'est le convoi qui arrive à Lyon hier soir. Alors. Le départ. D'accord. Tu vas aller voir là-bas, je te sens. Pardon ? Non, hop. Non, moi je suis avec toi. Je vais aller voir le ravitaillement. J'aimerais bien voir mon pote qui a la voiture certaine là. On attend, on y va. Hop. Sa voiture est là. Là, les gens, ils sont venus manger un petit bout parce que y a plein de personnes qui ont ramené plein de vivres. C'est super cool. Hop. Voilà. Tout le monde prend un petit bout à manger. C'est super. Moi, je vais vous laisser. Et puis, je reprends tout à l'heure quand l'autre convoi, il arrive. Partagez, s'il vous plaît, pour le reporter indépendant. Merci.